Thank you.
Thank you.
Nous avons supposé que la plupart des pratiquants connaissent plus ou moins les techniques d'attaque, ce thème ayant été par ailleurs largement traité. Je crois personnellement que tout combattant doit connaître plusieurs défenses et contre-attaques pour chaque technique offensive, sinon il ne vaut rien en compétition de kickboxing. Certains combattants n'ont que deux ou trois techniques d'attaque efficaces. Si vous les annulez avec une bonne défense et ses réponses correspondantes, vous arrivez à neutraliser ses adversaires et par conséquent à les vaincre. Dans cette vidéo que j'ai réalisée avec mon magnifique élève Ignacio Sanchez, actuel champion du monde de savate et champion du monde de kickboxing WKO, nous abordons plusieurs défenses et contre-attaques différentes pour chaque technique d'attaque. Certaines sont simples, d'autres plus difficiles et plus travaillées. Je vous assure que je les ai toutes utilisées sur le ring, sans exception, et que vous pouvez les utiliser car ce sont des techniques gagnantes, des techniques valables. À aucun moment, nous n'avons voulu être mis personnellement en évidence en réalisant des techniques spectaculaires, mais manquant de réalisme. Nous avons fait un travail basé sur l'efficacité, mais non exempt de techniques souples et dépurées. En ce qui concerne l'importance de la visualisation des vidéos pour l'enseignement ou l'apprentissage de n'importe quelle matière, je dois vous dire, bien que cela soit difficile à croire, que mes maîtres de boxe furent Roberto Duran, Marvin Hagler, Leonard, Tommy Hearns, Arguello, chacun dans son style, mais tous avec une grande technique. Il va sans dire qu'ils ne me donnèrent pas des classes particulières, du moins pas directement. Ils le firent indirectement, à travers les vidéos de leurs combats que je passais au crible pour en tirer la plus petite goutte de sagesse pugiliste. Mais je n'ai pas eu de professeur de boxe et je me retrouve aujourd'hui en train d'enseigner la boxe, et non seulement à des boxeurs amateurs, mais également à des professionnels. Un des entraîneurs de l'équipe américaine Free Team fut même l'un de mes élèves. Et tout cela grâce à ses vidéos et à un grand travail personnel d'analyse. Et peut-être aussi grâce à une possible prédisposition génétique pour la pratique des sports de combat. Dans tous les cours que je donne ici et là, je ne cesse de répéter que le travail le plus important est le travail personnel. Un travail qui doit s'appuyer, bien sûr, sur de bonnes bases techniques, car sans elles, on ne fait jamais un champion. Cuando queráis. Thank you.
Je commente généralement aussi qu'il y a des choses que je ne peux enseigner. Comment enseigner cette sensation que l'on a du moment exact où il faut frapper pour obtenir un KO? Comment expliquer cette sensation que l'on a lorsque l'on affronte un autre boxeur? Car chaque personne possède une énergie interne qui l'entoure, qu'elle transmet dès le premier échange et que vous percevez rapidement. Ne soyez pas préoccupé lorsque vous êtes seul dans le vestiaire avant un combat et que vous vous sentez nerveux, car cette nervosité contrôlée est ce qui vous donnera de l'énergie, ce qui vous forgera une cuirasse anti-coup grâce à laquelle vous les sentirez à peine, ce qui vous apportera vitesse et puissance et vous conduira à donner le meilleur de vous-même. Je dois vous dire que dans les derniers combats que j'ai réalisés, j'en suis venu à être inquiet de mon manque de nerviosité avant les combats, et qu'au moyen d'une espèce d'exercice d'autosuggestion, j'essayais de me rendre un peu plus nerveux pour monter sur le ring avec l'énergie et la concentration adéquates. Lorsqu'il s'agit d'affronter un combat, l'entraînement physique n'est pas le seul important. L'entraînement mental est au moins tout aussi nécessaire. Combien de combats mentaux faisons-nous contre le même adversaire avant de la véritable rencontre? Des centaines, sûrement. Je blague souvent sur le sujet avec mes élèves en leur demandant « Combien de KO mentaux avez-vous déjà infligé à votre pauvre adversaire ?» Et nous rions un peu. J'imagine que tout le monde visualise mentalement son prochain combat, encore et encore, cherchant la manière de le gagner. Je crois que cet exercice mental est nécessaire. Il est comme un entraînement de plus, car en le faisant, on visualise des situations d'attaque, de contre-attaque, etc. En ce qui me concerne, quand je le faisais le plus, c'était quand j'allais courir tout seul et cette visualisation du combat me faisait courir vite, très vite, et arriver dans un état de souffrance physique bien plus intense que si je ne l'avais pas fait. Pour finir, je vous dirai que j'ai beaucoup appris dans ces années et que, bien que mon devoir soit d'enseigner la technique et la science des arts martiaux, je crois qu'il est beaucoup plus important d'enseigner aux élèves à être des bonnes gens, comme on dit.
acostumbrar. ¡Fuerte! Tío.